TBG double shot. Ouais, ouais, ça va être comme ça maintenant. Enfin, faudrait pas que vous en preniez l'habitude non plus. Qu'est-ce que j'entends par là, un double shot? Bah, je viens de vous diffuser une chronique sur un jeu, et il se trouve que c'était une préversion. Et du coup, là, on est à quelques jours de la sortie de ce jeu. Quel jeu? Mais Dayang, enfin, c'est écrit sur le titre du stream, mon bonhomme. Et donc, bah, on est au plus proche de la version finale. Je vous ai fait voir le prologue, la tête que ça avait. Aujourd'hui, on va regarder bah, le jeu en lui-même, qui est quasiment en mode release, puisqu'il devrait sortir d'ici jeudi, si je ne me trompe pas. Eh ben, on part tout de suite dedans, jeter un œil. Bienvenue au club vacances les loulous. Comment ça je déconne? Non, je vous garantis vous êtes au club vacances. Parce que je vais vous faire voir Dayang de un petit peu plus près et vous allez vite réaliser de quoi il en retourne. Apprendre à se débrouiller un petit peu les enfants, hein. Vous êtes grands maintenant, donc on va vous laisser les outils sommaires, puis vous allez apprendre à crafter, vous êtes là pour ça, de toute manière vous avez du temps, c'est les vacances, tout se passe bien. Comment ça les chiens méchants, les gens pétés du casque sur l'île, c'est un problème? Non, on veut, pas tout de suite, on verra ça bien plus tard.
Alors oui, si vous avez regardé le stream précédent consacré à Dai Young, vous avez déjà remarqué une différence qui saute aux yeux. L'emballage. Ben oui, le jeu a énormément évolué sur son rendu graphique. Son univers est d'autant plus plein maintenant que, méfiance, il faudra régler peut-être son setup pour que ça tourne vraiment de manière fluide sur votre machine. S'il y a moyen de mettre à genoux les plus grosses configurations. C'est un petit détail, mais ça a son importance. Ceci dit, on a beau être sur une île, on a quand même un sentiment de terrain relativement vaste, ce qui est plutôt pas mal. On reprend les principes de gameplay à la Far Cry, on va dire, mais vous allez voir que il y a des petites choses qui vont être aménagées par-ci par-là et qui sont plutôt sympathiques. Alors, oh purée, se rendre dans une bâtisse par l'entrée principale, c'est pas très malin. Non, je suis caché derrière certains arbres, tu peux pas me voir. Tu vois, je maîtrise totalement la finesse de mon corps en me calant pile dans l'axe. Et ton pauvre regard ne calcule rien. Mais alors rien du tout. Rien du tout. Je suis l'invisibilitude. Alerter ce joli molosse. Il a rien vu, il a rien vu. Tiens. C'est assimilé à la technique du paix silencieux, mon passage, quoi. Par où je grimpe, moi? Là-bas. Il m'a gonflé ce clébard. C'est chouette ici. Classique de classique, le craft va occuper une grande part du jeu puisque je vous le rappelle, vous êtes un petit peu en mode survie. Et donc, bah, votre santé n'est pas éternelle et il va falloir se reposer, manger, boire. Également, il va peut-être falloir aussi se soigner. Et pour faire tout ça, bah, vous avez la nature à disposition pour vous servir entre les plantes, les animaux, les différents objets que vous allez trouver. La première chose qui va vous faire rager, c'est la taille de votre inventaire qu'il conviendra d'agrandir d'urgence pour pouvoir trimballer un max de trucs. Car qui peut le plus, bah, a souvent le plus sur lui dans sa besace. Ce bâton est fatalement merdique. Find the water source. J'ai déjà trouvé de quoi boire, c'est déjà pas mal. Et toi, le yinche. Celui-là, tu me le rates pas, cocotte. Parce que ça va être pénible pour tout le monde. Merci. C'est gentil de vouloir fonctionner parfois. Et une partie qui est plutôt sympa dans le jeu, c'est le mode Varap. Si vous aimez faire Lara Croft le soir au fond des bois, vous allez être totalement servi puisque... Il y a une partie qui ne sera pas sans rappeler du parcours de base comme certains l'adorent. Et du coup, bah, ça va être relativement intéressant parce que ça va renouveler le challenge. Il n'y aura pas que de l'infiltration, il n'y aura pas que du combat, il n'y aura pas que du craft surtout. Il y aura cette partie Varap effectivement qui va prendre une sacrée importance au déroulé de l'aventure, dans le déroulé de l'aventure.
Les parties combat sont relativement classiques, puisque vu qu'on veut faire de l'infiltration, bah, on aura une phase où il faudra éviter la détection, et ça se fait de la manière qu'on a déjà vu dans pas mal d'autres jeux. Et puis on aura une partie combat si vraiment les choses se passent mal, où là, bah, c'est relativement bien fait, bien que perfectible. Alors le plus gros problème, en fait, sorti des petits détails d'apparence et de fluidité dans les mouvements des différents protagonistes, ça va surtout être l'IA qui par moment est un petit peu idiote. Et du coup, selon l'angle par lequel vous abordez un terrain, vous allez vite remarquer que tout va se faciliter grandement puisque la plupart des joueurs du jeu, la plupart des ennemis donc, bah, ont une IA avec un cône de vue qui est relativement restreint. Donc ça veut dire que vous pouvez les feinter tout en étant relativement bourrin, mine de rien. Moi, ça m'a beaucoup arrangé. Niveau scénario, l'histoire ne se dévoilera pas comme ça. Vous allez tourner un sacré moment pour comprendre ce qui se passe sur cette île et constater que ben, c'est pas très clair et c'est encore beaucoup moins sain. Je vous laisse la surprise, ce sera à vous de voir et de découvrir ce qui se passe sur cette île, tout en n'étant pas trop étonné d'y croiser quand même pas mal de pétés du casque, comme on dit couramment. D'une manière générale, Dai Young est un excellent jeu en fait, puisque sans les moyens d'une production AAA, il arrive à nous sortir un univers qui est relativement plaisant, qui est complet, une histoire qui semble un petit peu bateau. Je peux pas encore trop m'avancer, j'ai pas fini le jeu encore. Mais on n'est pas là pour le scénario. Nous, ce qu'on veut, c'est le frisson de l'infiltration et celui de la survie, et puis avoir des combats qui aient quand même un minimum de gueule. Sur ça, apparemment, ce qu'on a est relativement fourni déjà et relativement au point aussi. Je pense qu'à sa sortie, le jeu va bénéficier d'un gros suivi pour améliorer les points que font remonter les joueurs. Mais si vous aimez les gameplays à la Far Cry, très honnêtement, penchez-vous sur ce titre. Il y a moyen que ce soit quelque chose qui vous fasse très plaisir. Au final, Dai Young est donc une excellente surprise cette année dans l'univers des FPS Survival. Et on lui souhaite ben, un excellent lancement. Et si le jeu vous intéresse mais que vous n'avez pas trop le budget, vous vous tâtez pour mettre le nez dedans, je vous rappelle que vous pouvez vous faire une petite idée du gameplay puisque la pré-version qui est donc Dai Young Prologue est en accès gratuit sur Steam. Donc ça vous fera un morceau de niveau entre guillemets à essayer. Notez que le jeu a grandement évolué entre-temps, en particulier sur son apparence. Les mécaniques de gameplay restent similaires,
Mais il y a beaucoup de choses qui ont été aménagées pour le confort de jeu. Voilà, je vous laisse avec les streams habituels, la playlist généraliste, celle des shmups, le bouton d'abonnement, et je m'enfuis dans les herbes.